Eh bien, rebonjour. Voici la deuxième partie de la vidéo pour rejoindre l'entreprise des agriculteurs wallons. Donc, dans la première partie, je vous ai expliqué comment vous inscrire pour rejoindre l'entreprise des agriculteurs wallons. Première petite chose, la deuxième partie, sur votre pseudo dans le jeu Euro Truck Simulator, ce que je vais vous demander, c'est de mettre entre parenthèses, en majuscule, AGW, fermez la parenthèse. Donc, ouvrez la parenthèse, en majuscule, AGW, fermez la parenthèse, et après, vous inscrivez votre pseudo. Donc, pourquoi mettre ça? En fait, comme ça, vous montrez que vous faites partie de la team des agriculteurs wallons. Donc, comme ça, tout le monde saura que vous êtes fait partie de notre team. Donc, c'est pour ça qu'encore une fois, je vous demande de respecter le code de la route à la lettre et de respecter les autres joueurs. Deuxième chose, on va vous montrer comment mettre les couleurs de la team exactes pour que tous les camions soient pareils. Je ne vous demande pas d'avoir tous un Volvo Globetrotter 750 chevaux. Tout ce que je vous demande, c'est d'avoir les mêmes couleurs. Après, vous choisissez votre camion. Pour ce faire, pour avoir les couleurs, vous vous rendez, excusez-moi, dans un garage de réparation. Une fois que vous êtes sur le petit logo de la clé à molette, vous faites entrer comme pour faire des réparations. Vous allez sur magasin de pièces. Et là, vous arriverez sur cette photo-ci. Après, vous allez dans peinture. Peinture, voilà. Vous choisissez Sunrise. Sunrise. Voilà. Une fois que ça c'est fait, ben, dans la première couleur, vous choisissez le noir, ici, que vous utilisez. Voilà. La deuxième couleur, qui est le rouge, ici au-dessus, vous gardez. Et le jaune, que vous gardez aussi. Comme ça, vous aurez exactement les mêmes couleurs. Pour le reste, je vous demande juste d'avoir un camion correct. Ça sert à rien d'avoir 60 klaxons dessus. Vous faites quelque chose qui ressemble réellement à un camion de la vie de tous les jours, quoi. Les camions que vous pouvez croiser, voilà. Sur vos plaques, vous marquez ce que vous voulez. Uniquement, vous ne mettez pas d'insultes, de gros mots ou quoi. Hein. Et n'oubliez pas votre pseudo qui sera affiché au-dessus du camion. Vous mettez, ouvrez la parenthèse, en majuscule AGW, fermez la parenthèse, et vous marquez votre pseudo derrière. Voilà, comme ça, on aura tous exactement les mêmes camions. Vous n'êtes pas obligé de jouer uniquement quand la team est en live ou quand la team est là. Vous pouvez jouer à n'importe quel moment, quand vous en avez envie. Tout ce que vous aurez à faire, c'est d'aller sur World of Logistics et d'encoder toutes vos factures. Comme ça totalisera le nombre de kilomètres que vous avez fait. On verra qui ce qui a fait le plus de kilomètres, qui ce qui a rapporté le plus d'argent. Et par contre, on verra aussi qui ce qui fait le con parce que j'aurai en temps réel les bans et tout ça que vous pourrez avoir sur Eurotruck. Donc voilà. Alors, pour ce qui est du garage. La chose que je vous demande, c'est qu'on parte tous, enfin qu'on ait tous le garage de Bruxelles et Paris. Donc vous allez à Bruxelles et à Paris acheter les garages, quoi. Hein. Ça, vous pouvez même le faire en solo. Une fois que vous lancerez votre partie, ils seront dessus. Maintenant, si vous le faites en multi, il n'y a pas de souci non plus. Donc, vous achetez le garage de Bruxelles et Paris. Mais Bruxelles, on va être un peu chauvin parce que ben, je suis belge, donc le garage de Bruxelles, c'est le top. Pas le top au niveau des garages, hein, mais c'est le top comme ça. On est une entreprise franco-belge, mais enfin belgo-française, que on va commencer par la Belgique. Et celui de Paris, bah, parce que comme ça, s'il y a des abonnés qui ne font pas partie de l'entreprise, mais qui veulent nous rejoindre, eh ben on ira jusqu'au garage de Paris. Donc, voilà. Vous prenez s'il vous plaît le garage de Bruxelles car on va essayer que l'entreprise se développe sur Bruxelles et après on développe dans d'autres villes quoi. Voilà, ici je suis revenu à Bruxelles et voilà. Donc ben voilà, j'espère que j'ai été clair dans mes explications. Si vous ne comprenez pas quelque chose, ben n'hésitez pas à me le demander et je vous répondrai avec plaisir. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, amusez-vous bien et abonnez-vous si ce n'est pas fait. Merci, bonne journée à tous, au revoir.